Alors, le châssis était complètement remonté. On voit qu'il a été complètement nettoyé, complètement dégraissé. Il est nickel. Le moteur, il a été complètement démonté, complètement nettoyé, refait, bougie neuve, tout dégraissé aussi. Le pot d'échappement a été refait entièrement. A été refait entièrement, hein, parce que ici il était tordu, enfin tout ce qu'on veut, il a été poncé, poli. J'ai dû repercer un trou et retarder pour mettre une sortie pour le tuyau de dépression et boucher celui à côté avec, avec une feuille d'aluminium. Donc voilà. On va pouvoir commencer à remonter ça, passer à la partie électrique. On va mettre donc émetteur-récepteur en 2,4 GHz. Et puis après, on n'aura plus qu'à attendre le lanceur, les nouvelles roues avec les nouveaux pneus, et puis ben, faire le test, hein, faire le test moteur. Ça tourne librement. Les pignons ne se montent pas les uns sur les autres, donc voilà. On peut le bloquer.
Maintenant, on peut voir sur la photo que le pot d'échappement, il est quand même au-dessus du châssis. Pour ceux qui ont surveillé les vidéos, le pot d'échappement était en dessous du châssis. Il devait frotter par terre. Donc voilà, là, il est remis. Il est remis à sa place. Donc voilà pour la partie moteur. Donc il n'y a plus qu'à attendre le lanceur. On va lui mettre un petit filtre à air. Bien sûr, avec la mousse imbibée d'huile, qui m'a l'air d'ailleurs. Donc la mousse est un peu défectueuse, donc hop. Voilà, donc il faut que je prépare de la mousse avec de l'huile. Hein. Alors, il conseille de l'huile spécial amortisseur. Non, spécial filtre à air. Qu'est-ce que je dis, moi ? Spécial amortisseur. Spécial filtre à air. Alors, pour ceux qui se souviennent, pareil, hein, sur les anciennes vidéos, on pouvait voir à l'intérieur un réservoir rempli d'huile, de crasse, tout ce qu'on veut. Donc lui, il a été entièrement nettoyé aussi. Alors lui, par contre, j'aurais peut-être pas dû monter pour l'échappement avant. Et lui, c'était dans ce sens-là, je crois. Ah si, ça va. Voilà. Un petit réservoir. On va y mettre ses vis. Et puis, on va y pareil. Hein. Là, on va lui mettre de la durite neuve. Avec un petit filtre à essence. Entre les deux. Et puis, voilà. Pour la partie moteur. Ce sera révisé entièrement. On va passer à cette partie électrique, ce qui devrait aller vite. Bon, partie carburation, tuyau, c'est bon. On va passer à la partie électrique. Avec une nouvelle radio commande, hein, 2,8 GHz. Donc on peut voir que quand j'accélère, ça accélère, ça freine. Et on peut voir que ça tourne. Voilà. Pour la partie électrique, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place. Et puis maintenant, on attend les pièces.